Alles, was sagen da. Oder. Les amis, aujourd'hui on est grave contentes de vous retrouver pour une petite vidéo comme vous avez pu le remarquer dans le titre, car c'est un haul Shein. C'est la nouvelle collection d'été. Il y a des trucs de fou. Nous on a pris, enfin notamment moi, que des trucs colorés. Moi aussi. Rose, bleu, Thailand Dye, franchement plein de couleurs grave différentes, même vert et tout. Et franchement leur collection d'été elle tue. Elle tue de ouf, ouais, elle très colorée. La livraison de report est en 7 jours et 10 jours. Ouais. On a un code promo de moins 15% qui est Twins. 5 tunes, voilà. Mais ben, je sais pas, ça fait au moins 6 mois qu'on a le code, c'est ça, je dirais. Il y a tellement de codes promo en fait, que du coup, je ne le connais pas. Donc voilà, je vous mets sur l'écran et en barre d'infos. S'il y a un petit vêtement qui vous intéresse, tous les liens sont en barre d'infos. Le site Shein est en barre d'infos. Bref, vous commencez à savoir avec le temps. Donc là, on a déjà tout testé les vêtements. Ouais. On les a portés, on a déjà fait les close-up. Donc comme ça, on sait s'ils sont beaux, s'ils sont pas beaux. On est toujours honnête, c'est du tout sponsorisé, je tiens à préciser. Et du coup, voilà, c'est parti, let's go. Let's go, c'est parti, les amis. Alors en fait, ça c'est le seul vêtement, les amis, j'ai pas fait le close-up, donc je ne sais pas. C'est une robe t-shirt. Ouais, c'est California. Les robes t-shirt, il y en a plein sur Shein, on les adore. Je mets des boots, c'est hyper beau, un petit bob. Enfin voilà, très beau, très bonne qualité, aucun fil qui pend. La matière elle est quand même assez épaisse, je trouve. Je vois pas du tout à travers. Mais écoutez, j'ai hâte de le porter. Les manches sont assez grandes. Il est beau, franchement, je valide. Valide. Avec moi, on va continuer avec, on appelle ça comment? Bah, une robe, on va dire. En deux parties. En deux parties. Bah, non, en fait, c'est une seule partie, mais. En haut, c'est légèrement ouvert, vous allez le voir. De toute façon, sur le close-up, c'est un petit peu fleuri. Mais bon, moi de base, je suis pas fleurie. Mais alors là, ça fait très été et il est tellement fin que ça fait très très chill, vous savez. C'est un peu le genre de robe, j'ai l'impression, que Kéline porte. Et j'adore les trucs. Ouais, toi, j'ai l'impression que Kéline, c'est un peu ta référence. J'adore Kéline. Ouais, ouais, je remarque souvent. Mais Kéline, j'aime bien parce qu'elle est simple en fait. Et je me reconnais beaucoup parce que, genre, elle fait du sport. Enfin, bref. En tout cas, très très joli. Le dos, il est nu. My god, trop beau. Ouais, c'est beau. Fleuri pour l'été, c'est canon. Du coup, on va continuer encore une fois un petit truc pour l'été. C'est une sorte de petite robe volant qui est trop beau. Oh mon œil. Oh, excuse-moi. C'est un peu campagnard, ça s'ajoute. Non, il est beau de ouf. J'ai eu plein de retours en plus. Parce que j'ai mis des photos sur Insta et justement sur cette robe j'ai eu plein de retours. En fait, si vous voulez, c'est un peu une robe, comment dire, qui est un peu fluide et tout, mais qui est magnifique. Et je pense que toi tu dis que ça fait campagnard parce qu'il y a des fleurs. Ouais. Bah c'est aussi les petits volants, tu sais, en bas, genre les petits resserrages, on va dire. Franchement, moi j'aime bien et justement j'aime bien comment ça taille. Ouais. Je sais pas, je saurais pas comment vous l'écrire, vous allez voir au close-up dans tous les cas. D'ailleurs, prenez votre taille sur Shein, que votre taille, genre. Vraiment. Et franchement, il est trop beau, même les manches et tout. Genre, regardez, c'est trop cute, c'est un petit peu resserré. Ouais, c'est que je n'ai pas vraiment envie de porter, moi. Bah, ça, franchement, avec des boots, c'est hyper cute. Moi, on va continuer avec ici une robe de couleur verte, mais légèrement mouchetée avec du blanc à l'intérieur. Franchement, trop trop belle. Elle est pas trop longue non plus, sachant que je suis petite, donc c'est bien. Ouais, j'ai bien. La matière, elle est cool, ouais, de ouf. Et en fait, c'est un peu comme un débardeur, vous savez, c'est pas fine bretelle comme ça, c'est un peu plus épais. Il y a une petite ouverture là. Pas magnifique, enfin je crois pour que je me tire. Ouais, c'est pour rajouter un truc. Quoi. Ouais, mais sinon bah vous connaissez hein, robe basique, mais trop belle. Ensuite moi j'ai pris un ensemble, c'est rare que je prends des ensembles. Ouais. C'est un petit haut comme ça qui est trop cute en haut. De couleur un peu vert pastel comme vous pouvez remarquer. Franchement c'est trop mignon, c'est trop beau, j'adore. Ouais, c'est kiki. C'est hyper kiki, voilà, c'est assez court, donc j'aime beaucoup. Et après il y a la jupe. C'est une jupe longue? C'est une jupe. Ah ouais, ah moi j'aime pas. Je déteste tout ce qui est long parce que nous on est vraiment très petite. Ouais, voilà. Elle est longue, nous c'est vrai qu'on a tendance à porter plus des jupes qui sont un petit peu plus courtes. Ouais. Ouais, bref, un beau tout ensemble de couleur vert comme ça, élastique au niveau de la taille. Franchement, ça c'est chill pour l'été et je trouve que c'est beau, ça passe partout. D'accord. On va continuer avec une robe, hein. Comme ça j'enchaîne les robes direct. Ici elle est rose et elle est un petit peu plus fine, donc du coup on voit plus les défauts. Mais sinon elle est vraiment belle, elle s'accroche simplement, vous savez, en haut avec un petit nœud. Tu la mets. Oh, comme ça fait très plage, hein. Ouais. Et après tu la mets comme ça, et elle est vraiment très très moulante. Franchement elle est belle, j'aime bien, mais c'est vrai que faut pas avoir un gros bite quoi. Faut le mettre le matin, mais après manger, tu vois ton gros bite quoi. Ensuite on va passer avec un petit pantalon quand t'es chill, quand tu vas à la plage, quand tu veux te balader avec, je sais pas, un petit top, un truc tranquille. C'est un petit pantalon comme ça qui est un petit peu large, un petit peu fluide. Élastique au niveau de la taille, donc ça c'est vraiment top, ça va à toute morphologie. Plein de couleurs un peu saumon, bleu et tout. Enfin ça c'est vraiment les couleurs de l'été quoi, qui sont très très beaux. C'est large au niveau du bas parce que ce n'est pas resserré. Qualité fine, aucun fil qui pend. Vous connaissez la qualité Shein. Et voilà, ça va l'été de ouf. On va passer à l'unique maillot de bain que nous avons pris sur le site. C'est un Thailand Dye, j'adore ça, je l'ai pris en taille S. Le haut me va mais le bas ne va pas parce que moi, enfin il me va mais il est un peu serré. Et c'est vrai qu'en bas on a tendance à faire une taille au-dessus que le haut. Regardez comment il est, plutôt sympathique sa patoche. Le petit haut. Simple, efficace. Minuscule. Minuscule mais moins que va.
Et ensuite, on a donc le bas. Bon, le bas il est un peu serré, donc je n'aime pas du tout. Le beau. J'aime bien la plus serré, tu vois. C'est vrai. Donc j'aime pas ça coller à la peau, enfin ça colle vraiment. Oh, c'est cute. Et là, c'est une petite jupette, vous savez, à accrocher sur le côté. J'aime deux couleurs, taille taille. Et franchement, là, pour le coup, j'adore parce que tu la mets là. Elle est hyper courte, mais au moins, tu sors de la plage. Enfin, genre, tu vas à la plage avec ça. On voit pas ta cul. On voit pas ta cul. Bon les amis, pour être tranquille, pour être en mode streetwear, il est jamais vu, j'ai pris pourquoi, parce qu'il est original, il y a un côté noir, un côté blanc, j'adore ça. Par contre il est un peu long parce que moi je suis petite, je vais mettre 55 pour tous ceux et celles qui ne le savent pas. Passons à un pantalon, les pantalons chine, c'est venu ma nouvelle passion. J'aime la matière, incroyable. Alors c'est pas du tout matière jean, sachez-le. C'est une matière un petit peu stretch. Ouais. Et en fait il est un peu pas def, vous voyez ce que je veux dire. Ça revient à la mode. Ouais, il est trop beau, il est bien serré au niveau de la taille. Il moule bien là où il faut et il est large là où il faut. Vraiment une dinguerie, il y a deux petites poches devant et il est très validé. Ensuite on va passer du coup à une petite robe qui est une j'ai pas l'air, je l'ai vu en photo, je n'aime pas du tout. Franchement moi j'aime bien, pourquoi? Parce qu'elle est hyper méga fluide. Franchement elle est pas trop longue du tout, elle est pas trop courte. C'est juste peut-être les couleurs qui sont trop pâles à mon goût. Ouais, en fait c'est les couleurs que moi j'aime pas, tu sais, c'est un petit peu vieillot. C'est ce que j'allais dire justement, mais elle est belle. En fait si les couleurs auraient été plus pétantes, genre avec... Ouais, bref, je parle pas français, j'en fous. Et bah franchement je pense que j'aurais préféré, mais là c'est vrai qu'elle ça fait un peu vidéo parce que les couleurs sont un peu trop pâles à mon goût, mais j'aime bien la forme. Un petit top sympathique, moi j'ai quasiment le même de Shein, mais c'est pas le même. Il est un petit peu retroussé, vous savez, vers l'avant, enfin il est noué vers l'avant. Ouais, il est beau. Et il a un peu de côté. Et on a des petites manches resserrées, simple. Franchement simple, efficace, mais trop canon, voire pas à travers. Vraiment très sympa. Ouais. Simple, efficace, basique, ça passe crème. Alors, pour l'été, il faut avoir des petits tops comme ça. Ouais, grave. En ce moment on va continuer avec une jupe. Franchement, je suis pas fan meuf. Hein. Je trouve c'est trop volant, donc déjà ça grossit. Ouais, clairement. La couleur elle-même, mais même regarde, il y a des petits traits, ça fait vieillir. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que nous on préfère genre tout ce qui est un petit peu les jupes tennis là. Les jupes tennis, ouais, les jupes moulantes, beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de plis, là il y a des petits plis. Ouais, non. Pas validé les gars, pas validé. Elle est pas moche hein. En tout cas là il y a un petit truc pour faire un nœud, donc une ficelle. Ouais voilà une ficelle, donc je trouve ça mignon. Ouais. C'est sympa, après c'est pas un peu. Arrête, toi tu mets tout dans la tête. Ah mais désolé Lolo. Ah un petit t-shirt. Oh oui. Il est trop sympa parce qu'il est super fluide. Il est un peu croc. J'adore. Oh, il est beau, j'aime. Ça tu mets ça avec un jean basique ma soeur, c'est trop beau. Le maintien blanc, tout ce que vous voulez, ça c'est un passe-partout, c'est un basique. J'adore. Vous connaissez ma passion pour le rose, le pink. J'adore cette couleur et là franchement, je peux... Dingue, il coûtait quoi, 4-5 euros peut-être, je sais plus. Pas cher. C'était rien du tout hein. Toujours au Chine, vous connaissez, les prix sont pas chers. Après on va passer à un petit hoquet comme ceci, comme cela, de couleur violet. Avec des petites fleurs. Bon c'est mignon, franchement c'est cutie. On peut resserrer sur le côté, donc ça rapporte une touche d'originalité. Ouais. La matière j'adore, regarde. Elle est super légère. Franchement elle est super légère. Non ça c'est vraiment mignon. Pour l'été je suis très très contente parce que c'est beau. On va voir, ça passe partout et c'est coloré. Un autre petit top, c'est celui-ci, si, j'adore. Franchement il est grave coloré avec du vert, du rose et du bleu. Donc du coup j'ai pris taille M, une bas parfaitement bien. Donc prenez une taille au-dessus pour ce top là. Et il se resserre devant avec une ficelle. Il est trop beau, wesh. Non franchement j'adore. C'est mon réveil, j'ai mis à 9h. Ah oui, sachez que là les amis, il est 9h. On s'est réveillé, il était 6h du matin. Donc bref, du coup voilà, celui-ci il est vraiment très très baldé. C'est bon, j'adore. Ensuite on va passer à un basique, franchement il n'y a pas plus basique. Ah, j'ai même une brassière, tout simplement. Voilà, sachant qu'il y en a vraiment plein sur le site, là j'ai voulu en prendre un autre. Mais voilà, mais par contre il n'est pas élastique, vous voyez. Moi je préfère que c'est élastique. Bah tu sais que moi j'aime trop parce que là les bretelles elles sont graves de ma taille. On a l'habitude que les bretelles tombent et là c'est vrai qu'elles ne tombent pas. Elles tombent archi pop. Non, franchement super ma taille, moi c'est ma brassière préférée. Bah, autant dire qu'on a des goûts différents. D'accord. C'est ma brassière préférée. Je vais acheter maintenant que celle-ci. Sérieux ? Notre couleur en noir. C'est rigolo. Ouais, franchement c'est un basique et franchement je suis contente. Ensuite, on passe à quelque chose qu'on a également toutes les deux et qu'on n'aime pas. C'est une t-shirt pull. Trois t-shirts. De couleur vert, franchement trop grand. Trop grand. Il est beau hein, mais c'est pas un coup de cœur. C'est fort vert, je trouve, ça fait trop. Il t'arrive en dessous des genoux quoi. Tâche dans le décor. Après tu peux mettre avec une ceinture. Ouais non, moi j'aime pas du tout. Comme par hasard on l'a pris toutes les deux. Grave. Mais d'ailleurs on a encore pris un autre truc toutes les deux. Mais c'est ouf wesh. Alors c'est quoi, c'est une, vas-y montre-le. C'est une sorte de petite chemise couleur vert, dragon, etc. Franchement elle est belle, mais ça va uniquement avec un jean, une brassière et ouvert. Si c'est fermé, ça fait trop, t'es enfermé dans ton cercueil. C'est ça. Ça fait pas beau. Mais sinon ouvert et tout, ça fait grave un style. On est carrément d'accord. En fait, faut savoir le porter. Ouais. Tu mets une brassière, une petite épaule qui ressort comme ça discrètement. Ensuite, ah je l'adore. Pareil, c'est un top. Un top, vous savez qu'on referme devant avec un sort de turban. Et il est vraiment très joli. Oh c'est beau. Ici on a les petites manches, donc des petites épaulettes qui font classe, tu vois. Et devant, on a... c'est un cache-cœur. Oui voilà, cache-cœur. Il est trop classe.
Genre j'aime trop. Pareil, hein, je fais le close-up, je l'ai porté avec un jean qui me, enfin qui va pas ensemble, mais avec un jean bleu basique, voilà, ça fait quoi. En ce moment, on va passer à un short très très basique, mais il est beau. Franchement, c'est une porté, il est beau. Ça, quand franchement, tu veux aller à la plage ou tu veux juste marcher tranquille et que tu veux pas t'habiller, faire des fois vraiment vestimentaire, ouais, tu le mets top blanc. Franchement, c'est simple, c'est nickel. Je suis très à l'aise dedans parce qu'il est élastique. Il est beau, il est beau. Quand tu veux être tranquille, on va partir. Ah oui, avec un short alors. Ce short. C'est mystère. Il y a personne de nous deux qui l'a compris. Bah oui, on l'a pas commandé, on l'a reçu. Et ouais, en plus c'est en taille M, donc beaucoup trop grand pour moi. C'est dommage parce qu'il est beau. Donc voilà, vous allez voir sur le close-up, il est vraiment trop grand. Sinon, il est joli, il est simple. Je vais pas passer 10 ans dessus. C'est un short basique. C'est un short blanc. Si vous voulez un short blanc, prenez-le. Il est pas transparent, mais c'est dommage parce que je l'ai pas commandé et c'est archi pas de mon style. Alors j'ai ça. Je vous ai fait le close-up où je ne l'ai pas repassé. J'aurais dû le repasser. Mais est-ce que vous connaissez ce truc qui s'appelle la flemme? Et en fait, si vous voulez, c'est un petit haut comme ça, blanc, donc déjà passe-partout trop cool, qui est limite un peu cache-cœur, mais pas trop parce qu'il est long, dirais un chemisier. Ouais, en fait, le but c'est que ce cache-cœur, tu le mettes vers le bas, comme sur la photo de la mannequin. C'est ça. Donc ouais, tu peux mettre une brassière et genre tout en bas, tu mets un petit nœud et on voit ta brassière, tout petit décolleté et tout. Voilà, ça se porte différemment, ça. Donc ça, franchement, j'aime bien. Je pense que je vais grave le mettre. Après, j'enchaîne du coup. J'ai pris ce petit haut qui est trop cute avec un petit jean taille haute. C'est super cute. J'adore ce style. J'adore. Oh, t'es bien. J'adore. Ça fait un peu streetwear même. En bas, c'est serré, il y a des petits boutons, c'est en V en haut. Non, franchement, j'ai rien à dire. Les petites manches fluides, vous allez voir en close-up, je surkiffe, je suis trop fan. Et ben, moi, du coup, les gants, on va terminer avec celui-ci. J'ai pas fait close-up, donc je vais l'essayer en direct avec vous. Il est comme ça, violet, franchement, il est joli. Oui. Après, je l'ai pris en quelle taille? Je crois que je l'ai pris une taille au-dessus également, parce que j'ai toujours peur que ça soit fort, serré, ce genre de truc. Donc, je vais l'essayer de suite et j'arrive. A few moments later. Regardez, il est trop beau. Il est simple, efficace, basique. J'aime bien la matière et tout. Et ben, du coup, voilà, je pense qu'on va terminer là. On a terminé, j'ai kiffé filmer cette vidéo, j'ai kiffé découvrir un petit peu, enfin redécouvrir les vêtements que l'on avait pris sur le site Shein. Je vous dis, la collection d'été elle est dingue. Je ne sais pas quelle sera la couleur de cet été, mais je pense que ça va être le rose, parce que tu sais que le rose, j'en vois partout. Il y a une nouvelle collection de plein d'autres boutiques, c'est du rose. Il y a que du rose partout, c'est bon. Donc je serai dans mon élément. Si ça vous a plu, lâchez d'énormes likes. Si vous voulez d'autres unboxings, donnez-nous toutes vos idées en commentaire. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao ciao.